مرحبا بكم والسلام عليكم في غرفة ليلي اللي ما شاء الله راح نديرو كيفية للغداء ولا العشاء خفيفة وصحية. غادي نديرو غراتان تاع الروز، غراتان دو ري مع الخضرة مع لي ليغوم والطون. نفوتو المقادير. الوغ الى قلنا انا هنايا ديت لا جي بري 500 غرام تاع الروز دو ري، ديت 500 غرام تاع الروز. هنايا جي بري لي شامبينيون، كالكو شامبينيون ا بو بري 250 غرام، 250 غرام شامبينيون. الا كان ما عندكمش ما ديروش، سي با اوبليغاتوار. جي بري دو كاروت، دو طومات، ان اونيون بصل، 3 او حبات بيض، دو لاي، ان كوب بولي، اي 3 بواط تاع الطون. لا جي بري لوريغان، لو بوافر. Et là pour la sauce, c'est la crème fraîche, du lait avec maïzena, à peu près 2 cuillères de maïzena, l'huile d'olive, fromage râpé et du sel ou le melh. Donc il faut tout rendre. On dit le laurier pour le riz. Alors la première étape, on va faire cuire le riz. On va le taïbou rose, mais un taïbou, il ne faut pas. Il ne faut pas le faire cuire bien, juste à moitié. Parce qu'après, il va passer au four. Il va y avoir une photo au four. Bismillah. Là, je vais mettre le riz. Avant le riz, le jambon, le cube. Je mets le cube là. Avec du sel, avec le melh. Le rose, il a fait. Fait le cube hada pour avoir un bon goût, un peu de sel, pas beaucoup. On dit l'huile d'olive parce que le riz il colle pas. Je vais aussi en amener sa neige et je me ferais à peu près 2 cuillères à soupe. Et là je vais mettre laurier et l'ail. Voilà, je vais pas l'écraser l'ail, la machine elle est où? Bon, c'est pas grave, je le coupe à cas pour que ça donne un bon goût. Voilà. Et là, on doit vous rendre le roster là. Voilà. Voilà. Je laisse cuire, mais à moitié. Il ne faut pas qu'il soit cuit, bien cuit, mais à moitié. Je vais mettre le chute de mlich mlich. Je vais le rétro la diable. Voilà. Moi, je laisse. Le temps le riz tient à la hété. Là, on va préparer les légumes. Alors, avec ça, avec l'huile de thon. Voilà, j'ai pris le thon à l'huile, le tournesol. Je vais faire revenir les légumes. Voilà, on met un petit peu parce qu'il y a de l'eau. Voilà, juste un petit peu. Et je mets l'huile d'olive avec. Un peu d'huile d'olive. À peu près 2 cuillères à soupe. Je vais mettre l'huile d'olive. Voilà, qui m'a haka. Allez, dire. Le bsal taï. Voilà. Je vais couper l'oignon taï. Voilà, je l'ai mis là. قطعوا البصل تاعكم ديرو يتقلى. فوالا كيما هكا فريمون هاد الكغاتين يعجبني بزاف بزاف، نتمنى انه يعجبكم مام صحي. فوالا كيما هكا غندير لي كاروت معاه و لي كوب بتي مورسو لا روندال سي كوم فولي. البطاطا في الفو فوالا نقصرنا شويه. Voilà, comme ça, on va revenir qu'à les légumes. Enfin, je vais mettre champignons. Voilà. Je vais mettre champignons. Pareil, des petits morceaux. Voilà.
Là, je vais rajouter deuxième boîte à l'huile de thon. Comme là, il manque zit. Après, je mets zit, je vais dire je vais zit à thon. Voilà. Pour ça donne un bon goût, les légumes. Puisque je vais dire le rose de thon, avec zit ou tressouche. Vous gardez l'huile et vous faites revenir les légumes avec l'huile de thon. Là, et là, je vais mettre un peu de sel, pas beaucoup. Je vais mettre un peu de sel, je vais mettre un peu de sel. Voilà, on va dire je suis haro, du poivre. Voilà, c'est maracas. L'origan, le za'atar. Pas beaucoup. Et là, je vais mettre l'ail. Je coupe un petit morceau. Alors, je laisse tout ça revenir. Je vais les gâcher les légumes. Je vais les chouïa. Il ne faut pas les faire frire beaucoup, hein. Vraiment à moitié. Là, je vais mettre la tomate. Voilà. On va dire tomates. Un petit morceau pareil. Voilà. Un peu de tomate. À peu près deux tomates. Elle est dite plat kbir. Moi j'ai pris un grand plat parce que j'ai fait 500 grammes de riz. Mon plat il fait 40 cm. On a le plat à 20 cm. Elle coûte tout. قلنا زعما كنتو افاد العائله ماشي بزاف نقصوا ديروا باغ اكزومبل 250 غرام تاع الرز اي فوالا كيما هكا جو لاس تو سا ريفينير بيان خلي كحل يتقلو بيان فوالا كيما هكا ها هو الرز تاعنا ساي طيبتها امواتي اللي با كوي اللي امواتي كوي كيما راكم تشوفوا Voilà, c'est chaud. Voilà, qui m'a haka. Qu'il soit. Voilà, pardon. Qui m'a haka. Vraiment à moitié. On a taille bonus, tiab. On a rien fait. Je le passe sur la passoire. Avoir un stéril, ben, ma sofita. Je l'ai bien égoutté. Là, on va en direct avec les légumes. Je vais faire revenir avec les légumes. Je vais mettre un peu de beurre, pas beaucoup. Je vais y aller dedans. Voilà. Un peu de beurre là, pas beaucoup. Ça donne un bon goût fleuri. Zibda t'a fait le rose. Voilà, là je mélange tout. Voilà. Je laisse revenir bien. Bien, il faut bien mélanger. Il prend comme l'air. Je goûte, s'il manque du sel, je rajoute. Allez, le dos, la chasse le mec, vas-y. Ouais. Je rajoute un peu de sel, pas beaucoup, un peu de poivre. Voilà. Là, je vais mettre un peu de curcuma, de curcum. Pas beaucoup, ça donne un bon, une belle couleur. Même le goût. Voilà. Là je mélange tout, je laisse, voilà, là c'est bon, c'est cuit, presque, moi c'est cuit, c'est pas bon, ça fait cuit. Là c'est bon, j'arrête tout. Bon, je mélange bien, après j'arrête, voilà. Prends le tomelier. Voilà, maintenant comme le riz est comme le thé, tu m'as dit comme si à moitié cuit, c'est pas cuit, hein.
il va passer au four. Là, je prends le halib, du lait. Je vais verser la moitié, un demi-litre à peu près. Je vais chercher un verre. Voilà. Là, c'est le verre d'un, c'est la moitié, c'est un demi-litre. Voilà. Nous aussi, autrement. Le halib. Voilà, qui m'a raconté. On va préparer une sauce, à peu près comme une sauce béchamel, à peu près, tout à fait une sauce béchamel. Là, je vais mettre 2 cuillères de maïzena. Voilà, je rajoute un peu. Voilà, 2 cuillères de maïzena. Un demi-cube, pas beaucoup, juste un demi-cube, ça donne un bon goût. Je mélange tout ça. Je mets le poivre et le muscade. Je mélange tout ça. Là, je vais mettre du poivre, un petit peu, pas beaucoup. Voilà. La muscade, pas beaucoup, c'est fort. Voilà. Et je mélange tout. Je vais mettre ce mélange sur le feu pour épaissir la crème. Voilà. Donc voilà, notre sauce elle est cuite. Il faut avoir cette sauce là. Voilà, la sauce elle a pas Il y a cette qawam comme une sauce béchamel. Voilà. Là, donc je vais mettre la crème fraîche. Moi j'ai épaisse. Vous pouvez mettre liquide, 30% de matière grasse. Voilà. Il faut mettre la crème fraîche. Hein. Bien. Voilà. Moi, j'ai mis la presse un peu. Il reste là. Il reste juste un peu. À peu près 2-3 cuillères. Voilà. Je mélange tout. Là, je vais mettre le fromage, fromage portion normale ou n'importe quel fromage pour avoir un bon goût la sauce. Voilà, fromage. Non, c'est pas fromage ça, c'est les cubes. Voilà, je mets le fromage. Fromage portion, kiri, fromage rouge, voilà, n'importe quel fromage vous préférez. ديروا فرماج اللي حبيتوه اللي كان عندكم الشيء اللي عندكم في الدار فوالا نخلط هادو كاع مع الفرماج وكاع نحاول جيت ديكرازي الفرماج نحاول نهرس الكرازي الفرماج تاعي فوالا لا انا غادي نزيد شويه حليب جو فيغاجوتي ان بو دو لي الي ان بو ايباس فوالا ان بو با بوكو Voilà, comme ça. Là, je vais mettre les œufs. Voilà, les œufs. Trois, moi j'ai pris trois œufs. Petite habbat bay. Je mélange le tout. Voilà. Là, je mélange le tout. Voilà, quand on tire d'eau, on écrase la sauce. J'ai bien mélangé la sauce avec les œufs. Voilà. Là, je vais commencer à dresser le plat. Voilà, je mets un petit peu en bas, une petite sauce en bas, vraiment un petit peu. Je suis à la sauce le plat, parce que le riz ne colle pas. Voilà, là, je vais mettre un peu de riz, la moitié. Bismillah. Voilà. Voilà, d'être le riz, la première couche. Là, je vais mettre le thon. Voilà, j'ai 3 boîtes. Moi, j'ai 3 boîtes. Le plat, il est grand. Il fait 40, à peu près 40-45 cm. Le plat est kibir, il dit 40-45 cm. Voilà, je mets le tournaya. Comme vous le voyez, je vais mettre la couche de temps. Là, je vais couvrir avec le reste du riz. نبلع نغطي
le Ritana de Prana. Voilà. Voilà, ça y est, j'ai fini. Alors, comme je disais, le rose tiriga, comme il est pâté, donc il faudra aller la sauce béchamel. Voilà, bien, partout. Voilà, ça y est, c'est bon, j'ai fini. Donc, j'essaie de faire rentrer la sauce bien. La sauce trop bien avec le riz et le marron de les légumes. Voilà, c'est bon. Là, c'est bon. Donc, je vais mettre fromage râpé et je le mets au four à 180 degrés, au 200 jusqu'à 200 degrés. À peu près 20 minutes, 25 minutes. Il faut surveiller la cuisson. Il le four à la dash hara mitin, mieux mitin. Il devient gaz sec. Et les dorés me fouquent. Là, je vais la cuisson de terre, comme à peu près 20-25 minutes. Voilà, rien qu'il arrive et il fait. On a déjà à l'coum, Inch'Allah, mais qu'il taille, mais qu'il berde chouïa. Voilà. Ah ouais, gratte à tana, bah ma table. Ah ouais, chèque n'y a été à ou. Qui m'a coupé chouffou. T'as un morceau. Donc, on a gardé le four 20 minutes. Quand on a le four taha, si vous avez un four puissant, la chaleur tournante reste comme moi 20 minutes. Le carré qu'on four normal il va rester 25 minutes. Le four est bien sec là, vous voyez là, bien sec et bien doré. Là c'est bon. Là, je coupe un morceau. Bismillah. Vraiment il est trop bon. Et venez bzaf, tmenna ino yajbkom. Voilà. Voilà, il est encore chaud. Voilà, il n'est pas encore. Voilà, notre gratin. Voilà. On va voir le gratin, tu vois, comme tu fous. Vraiment, j'ai bien bzaf. Le goût, il est vraiment, c'est très, très bon. Je l'ai goûté, vraiment, il est bon. Voilà. Bon, نتمنى تكون هاد لا غوسيت عجبتكم وتسيوها وتعجبكم اكثر ان شاء الله. دابا بقى لي نقول لكم تهلاو في رواحكم ونتلاقوا في غوسيت جديده باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.